Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Évoquer pour invoquer Allah. Allah va nous demander de l'invoquer de nombreuses fois dans le Coran, encore plus que salat, que siyam, que la prière ou que le jeûne, mais nous devons, inshallah, savoir de quelle manière agir. À l'image de l'enfant qui souhaiterait un cadeau, il s'adresse à sa mère de la meilleure des manières. Il devra être poli, lui faire des compliments, l'aider dans les tâches ménagères et lui dire qu'il aimerait bien ce cadeau-là. Et bien nous, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons également faire preuve de politesse, lui adresser donc par exemple l'appeler par ses noms divins, lui adresser donc lui dire louange à toi, gloire à toi, Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite faire nos doigts. Donc il y a tout un système de politesse lorsque nous allons l'invoquer, Inch'Allah. Et on va le voir justement avec la sourate Fatiha. Avant d'arriver au Dua, il y a également une Dua lorsque nous demandons à Allah de nous guider dans le droit chemin. Mais lorsqu'on va voir verset après verset, d'abord, on va commencer par les noms divins. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et on va arriver tout doucement, verset après verset, le maître de l'univers, etc. Jusqu'à arriver à guide-nous dans le droit chemin. Dans la sourate Al-Kahf également, on va voir que notre le prophète Mohammed, lorsqu'il va s'adresser avec les juifs donc de son époque, il ne va pas dire « je vous répondrai directement », il ne va pas préciser « Inch'Allah », donc « si Allah le veut ». Et juste en faisant ça, l'ange Gabriel va repousser parce qu'il n'a pas eu le décret divin pour pouvoir aller lui donner les réponses qu'il attendait. Donc on voit que le fait de mentionner Allah, le fait d'utiliser des noms divins sont très importantes lorsque nous souhaitons invoquer Allah. Maintenant, pour la vocation en elle-même, n'ayez pas peur de demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que vous voulez, même si ça paraît impossible pour vous. Souvenez-vous du verset dans le Coran qui nous dit « Demandez-moi et je vous répondrai ». Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est capable d'inverser la normale. On l'a vu avec Ibrahim alayhi salam, il a été capable de changer le feu en une fraîcheur salutaire. Il a été capable d'accélérer le temps pour Suleyman et d'arrêter le temps pour Josué. Il a été capable de changer les gens opprimés en héritage des contrées, comme on l'avait vu pour le prophète Youssef alayhi salam. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de changer le mal en bien, de nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah a toutes les clés, c'est lui qui est le maître du temps, le maître de tout, le maître de l'univers, le maître du monde. Donc demandez à Allah subhanahu wa ta'ala et demandez de la meilleure manière, comme on l'a vu, avec le dhikr, avec la présence des noms divins par rapport à notre demande que nous souhaitons, que ce soit en cohérence, Inch'Allah. Car là, il nous aide à l'adorer de la meilleure des manières, à le remercier. Inch'Allah, Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.